Bonjour, assalamu alaikum. Moi, je suis avec Monsieur Oumar Sané, honorable. Monsieur honorable, vous êtes qui? Est-ce que vous pouvez m'expliquer vous êtes qui et comment vous êtes honorable, s'il vous Merci plaît. beaucoup, je vous remercie. Je suis le député Oumar Sané du Sénégal de Oui. 2001 à 2012. Et en même temps, je suis à Madi. Mashallah. Mais avant d'être député, je suis à Madi depuis 1988. Et une fois, j'étais en voyage. Tu sais, la Casamance et la Gambie, c'est pas loin. J'ai fait un voyage. J'ai trouvé les gens en train de prier dans une mosquée en Gambie. Alors, je suis entré, j'ai prié avec eux. Et j'ai vu comment ils priaient et comment ils se comportaient. J'ai dit, voilà. Mais avant que je les trouve, j'avais fait des rêves au niveau de la Casamance, dans mon village natal, Sindia, dans le département de Bignona, de voir des gens comme ça. Alors, j'ai prié avec eux. Quand j'ai prié avec eux, et j'ai vu que vraiment, ce que j'ai vu dans mes rêves, c'est ça. Alors, je me suis approché avec le chef. J'ai dit, mais chef, comment vous appelez? Il m'a dit son nom. Et on m'a dit que c'est lui, Amir de la Gambie à l'époque. J'ai dit, Amir, c'est quoi? Il dit, oui, c'est lui le représentant de Azour au niveau de la Gambie. Azour, c'est qui? On me dit, oui, Azour, c'est le calife général. Alors j'ai dit que, mais si je peux avoir quelques documents pour que je puisse vraiment lire. Et ils m'ont filé quelques documents en français. Je les lis. J'ai dit, voilà, tous mes rêves là, c'est ça. Maintenant, je vais faire la traduction en anglais. Je vais vous parler en anglais et en urdu, ce que Monsieur Oumar Sané a dit. Il a dit que j'étais en Gambie. J'ai vu que certains gens étaient en train de faire la namaz. Donc, j'ai aussi fait la namaz avec eux. Quand j'ai fait la namaz, ces gens ont leur dit ce qu'est le Hazour, ce qu'est le Jamaat, ce qu'est l'Islam, ce qu'est l'Ahmadite, ce qu'est. تو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تو اب وہ آگے پھر بتائیں گے وی مسیو عمر اس کی وہ پہ ایکسپلین کیا انکور Oui, quand j'ai vu ça, quand je suis retourné, d'abord quand on m'a donné des documents en français, je les lis et je suis retourné. La première des choses, je me suis approché à mon papa. J'ai dit à mon papa, mais Dieu m'a donné quand je rêvais, le lendemain, j'ai expliqué à mon papa. J'ai dit que mes rêves là, ce que je vous ai expliqué la fois passée, je suis allé en Gambie, j'ai vu les mêmes personnes comme ça. Et est-ce que tu peux venir avec moi pour qu'on aille voir? À l'époque, mon oncle qui m'avait invité, il s'appelle Omar Lamine Badji. C'était un député, c'était le président du conseil régional de Ziguinchor. Il a été assassiné en 2006. Et les deux, mon papa et Omar, ils m'ont accompagné en Gambie. C'est ce jour-là que Omar et mon papa, moi-même, on a signé notre bayat en 88. ہم نے پھر اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ اس طرح یہ ایک جماعت ہے جو اس طرح اسلام کی تبلیغ کرتی ہے تو میں اور میرے انکل اور میرے ابو جو ہیں وہ ہم لوگوں نے اکٹھی بیعت کی اور جو میرے انکل ہیں پھر ان کی وفات ہو گئی تھی 2006 میں 2006 میں ان کی وفات ہو گئی تھی وہی انکور سی بلے Depuis leur signature, et Dieu merci, je prie beaucoup pour Omar et mon papa. C'est les gens qui m'ont beaucoup encouragé. Et Omar aussi, il m'aidait à l'époque, je n'étais même pas député. Omar, c'est en 88 qu'il était député. Et il m'a beaucoup aidé sur comment je vais vraiment faire tout pour me rendre chaque fois en Gambie. Pour assister le Jalsa de la Gambie. میں اپنے باپ کے لیے اپنے والد صاحب کے لیے اور اپنے انکل عمر کے لیے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں انہوں نے مجھے بہت زیادہ میری مدد کی ہے اور بہت زیادہ میرا خیال رکھا ہے
اور وہ ادھر کے ڈکٹی بھی تھے سینیگال کے، تو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں، بہت زیادہ دعا کرتا ہوں، اور جلسے پہ بھی جب جلسہ ہوتا ہے جماعت کا ہمارا، اس وقت بھی انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا. وہی ہاں کور parce que en tout temps on il y avait une crise que, qui a fait partir l'amir de la Gambie et nous on était là-bas bon Baba Traoré était venu comme amir mais ça m'a un peu découragé mais pourquoi ils ont fait partir les gens là ils m'ont expliqué que non ils n'ont pas parti c'est Azour qui a demandé à ces gens-là de retourner mais c'est pas pour détruire Diamat mais c'est Azour qui a demandé en tant que des étrangers qui étaient en Gambie de regagner Londres. ہم لوگ جب گیمبیا میں گئے تو گیمبیا میں جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے امیر جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ جتنا بھی ہے جو بھی کام ہے یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ حضور کے جو بھی ہوتے ہیں ان کی ہدایات کے مطابق ہم کرتے ہیں، اور امیر جماعت جو ہیں وہ بھی جو بھی حضور کی ہدایات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. Mounawar Kouchi qui était devenu un amir au Sénégal et on n'avait pas de récépissé, on n'avait pas de papier légal pour exercer Jamaat Islamique Ahmadiyya au Sénégal. Mais Omar, avec l'aide de Omar et beaucoup de députés, Omar est allé voir ses collègues députés à l'époque pour les parler de Jamaat à l'Assemblée, à l'hôtel des députés même, pour les dire qu'il fait des exposés, pour dire qu'il y a ça, il y a ça. ہم جو ہیں منور خورشید صاحب جو ہیں جو امیر بھی رہے ہیں وہاں کے، تو ان کی ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جن کا میں نے ذکر کیا ہے عمر، انہوں نے پارلیمنٹ میں اور بہت سے جگہوں پہ جماعت کی بہت ہیلپ کی ہے، بہت انہوں نے اس بارے میں جو ہے جماعت کی مدد کی ہے، اور یہ سارے کام جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سارے ہوتے رہے ہیں ہمارے بیعت کرنے کے بعد. Beaucoup de députés au départ ils pensaient que Jamaat Islamique Ahmadiyya c'était une entreprise, il faut entrer pour avoir beaucoup d'argent, il faut entrer pour gagner beaucoup de projets, et Omar les explique que non, il faut bien lire et nous sommes là pour servir l'islam et non pas pour se servir de l'islam. Bahut se log samajhte the ki Jamaat Ahmadiyya sirf ek enterprise hai aur wo isme aana chahte the paise kamane ke liye, لیکن عمر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جماعت جو ہے یہ انٹرپرائز نہیں ہے، یہ جماعت اسلامک احمدیہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو تو پیسے دینے پڑیں گے، آپ پیسے لینے کے لیے یہاں پہ نہیں آ سکتے، یہ جماعت ہے، یہ خدائی جماعت ہے. Je crois tellement à ça parce que je suis venu pour servir l'islam et non pas pour me servir de l'islam. Cause pour laquelle moi je peux marcher à pied depuis lors, je peux marcher à pied depuis ce slogan de Omar Lamine qui m'a fait comprendre, et quand j'ai lu les documents de Jamaat et je me suis rendu compte ce que Omar disait, il a bien lu, et l'islam on se sert pas de l'islam mais sinon l'islam se sert de nous. میں اس جماعت میں شامل ہوا ہوں جماعت کی خدمت کرنے کے لیے، میں جماعت سے خدمت کروانے کے لیے اس جماعت میں داخل نہیں ہوا، اور اگر مجھے اس جماعت کی خدمت کرنے کے لیے پیدل چل چل کے جانا پڑے دور دراز علاقوں میں، تب بھی میں وہاں جاؤں گا اور جماعت کی میں خدمت کروں گا. On avait parcouru dans toute la Casamance naturelle avec Mounawar Kouchi, dans toute la Casamance pour lui dire que en tout cas on est là, on allait dans les mosquées expliquer, faire des exposés, parfois les gens nous grondaient, parfois les gens nous insultaient, mais on n'était pas découragé jusqu'à ce que en 2000 Mounawar Kouchi était malade. Il est rentré et nous on était resté sans amir, et malgré tout ça moi je me rendais en Gambie pour voir, et il y avait le système les gens de Kaolack qui étaient là comme Jamaat, mais moi je disais non, il faut vraiment le vrai système que je connais avec Ahmadiyya, il faut que j'applique ça. Hum log Munawar Khurshid sahab ke sath Gambia mein kahan kahan nahi gaye, کس کس جگہ پہ خدمت نہیں کی، اور ہم لوگوں نے ہر وقت وہاں پہ جو خدمت کی ہے، ہمارا جو علاقہ کولک بنتا ہے سینیگال کا، وہاں سے بھی لوگ آ کے اگر کوئی ایسی بات کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں، جو جماعت کا کام ہے
وہ ہم جماعت کا کام جماعت کا کام سمجھ کریں گے. اور یہ ریمیکسی ہے, یہ میکسی مسیح عمر صاحب نے میکسی بکو اوواں پارلے اپرے آنکور اب ایک نبو شوز میکسی بکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.